L'ordinateur est vraiment au cœur de nos vies. Alors imaginez que votre précieux portable disparaisse du jour au lendemain. Imaginez tout ce qui disparaîtrait à jamais de votre vie. Vos agendas, vos photos de vacances, le roman que vous tentez d'écrire depuis 5 ans. Il y a évidemment des spécialistes en rétablissement de données qui peuvent parfois récupérer des contenus à partir de disques mourants. Mais la récupération des données peut être fort coûteuse et n'est jamais garantie. C'est pourquoi certains préfèrent utiliser des trucs maison. Un de ces trucs, c'est de mettre le disque dur au congélateur, ce qui devrait vous donner la chance de récupérer son contenu, une espèce de cryogénie informatique. Le disque dur représente la mémoire à long terme de l'ordinateur, comparable à celle de notre cerveau. Lorsqu'on clique sur un dossier pour l'ouvrir, le disque se met en marche et cherche le document dans sa mémoire. Lorsqu'il a trouvé cette information, il la transfère vers la mémoire vive ou la mémoire à court terme, qui fonctionne uniquement à l'électricité et se désagrège 2 minutes après la fermeture de l'ordinateur. Les téléchargements sur Internet effectuent le même chemin. Les disques durs ne sont pas à toute épreuve. Il arrive qu'un disque dur subisse ce qu'on appelle dans le jargon informatique la mort subite du disque dur. Du jour au lendemain, et ce, sans préavis, le disque dur sur lequel sont stockées toutes les informations et données importantes ne fonctionne plus. En général, la mort subite du disque dur se caractérise par l'impossibilité de lire les données du disque. La mort du disque dur se produit souvent lorsqu'il subit une défaillance technique et mécanique, ce qui entraîne une surchauffe de celui-ci. Il serait donc logique qu'une exposition au froid puisse le faire sortir de sa torpeur. Mais est-ce vraiment le cas? Quand on voit qu'un disque dur commence à avoir la misère, mais qu'il n'est pas encore totalement mort, ça peut être de mettre de la glace sur l'ordinateur où est-ce que le disque dur est. Idéalement, pas de la glace comme ça, parce qu'il va y avoir de l'eau qui va couler, mais mettre quelque chose de froid, un ice pack ou n'importe quoi. Comme ça, ça permet de baisser la température du disque dur puis de pouvoir finir de transférer les données. Mais en général, c'est du dernier recours, fait qu'il faut vraiment faire ça vite. Il y a bien des mythes qui, aujourd'hui, nous semblent être des croyances populaires, mais qui sont vrais, vérifiés scientifiquement. Par exemple, vous avez un disque dur avec lequel vous avez des problèmes. Vous n'arrivez plus à lire l'information. Bien des gens vont vous dire, « Ah, ben vous l'enlevez de votre ordinateur et vous le mettez au congélateur et vous le rebranchez ensuite et... » Peut-être, celui-ci va se remettre à fonctionner le temps que vous puissiez récupérer vos données. Lorsqu'on veut faire cette opération-là, de sortir le disque dur de l'ordinateur, si on a une tour, en fait, c'est assez facile. Il faut ouvrir les panneaux, chercher le disque dur à l'intérieur. Dans un portable, c'est un peu plus difficile. En général, le disque dur va être caché. Donc, une fois qu'on a sorti cette pièce-là, on va pouvoir le prendre, le mettre dans un sac Ziploc avec soit du riz, ou des petits sachets anti-humidité pour pouvoir l'empêcher d'avoir la condensation sur le disque dur. Parce que l'autre ennemi, en fait, des pièces informatiques, c'est l'humidité et l'eau. Donc, pas causer de court-circuit pour essayer d'en régler un autre problème. Après ça, une fois qu'on a enveloppé ce petit sachet-là, on va le mettre dans le congélateur, 2-3 heures. Si vous pouvez le mettre plus longtemps, mettons 6 heures, c'est idéal. Ça va permettre de rapetisser toutes les pièces à l'intérieur, donc vraiment de le refroidir beaucoup. Ce qui peut des fois ramener certaines pièces à leur état original. Après ça, on va pouvoir ressortir le disque dur, idéalement avec un boîtier externe. Un boîtier externe, c'est un petit connecteur. En fait, on peut brancher le disque dur dessus, ce qui va transformer le disque dur en clé USB. Donc, sur un autre ordinateur qui serait déjà allumé, on pourrait brancher ça directement pour pouvoir finalement copier des données plus rapidement, sans avoir à attendre que l'ordinateur démarre au complet. Donc, on sauve des minutes à ce niveau-là qui serait importante si on veut récupérer certaines données. De nos jours, l'ordinateur portable est de plus en plus présent dans nos vies. Si une défaillance du disque dur de notre portable survient, on peut même placer son portable entièrement au congélateur. Une fois le portable enveloppé hermétiquement dans un emballage étanche, il faut le laisser au congélateur pendant environ 2 à 3 heures. Au niveau de la durée dans le congélateur, idéalement, on va le mettre 2-3 ans. C'est sûr que si on le met un peu moins que ça, on va avoir environ 5-10 minutes pour utiliser le disque dur, sauf qu'en même temps, on ne peut pas vraiment savoir combien de temps qu'on pourra travailler sur le disque dur, parce que c'est des pièces qui sont à l'intérieur qui sont problématiques, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui cause le problème et si le congélateur va aider, parce que des fois, même si on met le disque dur dans le congélateur pendant 6 heures, 8 heures,
Ça peut être un autre problème carrément, donc ça se peut que ça change absolument rien non plus. La méthode de congélation est donc une technique réellement efficace. Mais idéalement, elle doit être utilisée en dernier recours, car elle va signer l'arrêt de mort de votre disque dur. Il va revenir à la vie pour quelques heures seulement et ensuite, il va rendre son dernier souffle. Au niveau de l'avenir de l'informatique, au niveau des données, on risque de plus avoir besoin de mettre les disques durs dans le congélateur parce qu'on s'en va vers des nouvelles technologies. Des technologies, en fait, où est-ce que les disques durs n'ont plus de pièces mobiles à l'intérieur. Donc, un peu comme des clés USB, mais de grande capacité, de grande vitesse. Donc, vu qu'aucune pièce mobile, on peut les échapper par terre, c'est beaucoup plus solide. Ça demande moins d'électricité à l'ordinateur, donc on peut avoir des meilleures autonomies. Donc, mettre les photos là-dessus et compagnie, c'est sûr que ça fonctionne mieux. En même temps, si les données se perdent parce qu'il y a une défectuosité dans le disque dur, là, on n'a plus vraiment de manière de récupérer parce que c'est plus mécanique, là, c'est fini. Une fois qu'à moins que vous êtes capable de souder des affaires puis de trouver où le problème, bonne chance. Donc, à ce niveau-là, toujours faire des copies de sauvegarde un peu partout. Puis c'est de plus en plus simple, en fait, parce qu'on s'en va vers un monde où il y a de l'informatique partout. Donc, c'est plus rare maintenant d'avoir au moins plus qu'un ordinateur à la maison. Donc, si vous avez vos photos sur les deux ordinateurs en même temps, s'il y en a un des deux qui casse, on les a toujours sur l'autre. Donc, comme ça, la redondance s'impose un peu d'elle-même là, avec le futur. Là.